Allez, bonjour tout le monde, c'est Forum, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Farming Simulator 2019. On est sur la série 100% classe et aujourd'hui on va nourrir nos vaches qu'on a été achetées la semaine dernière. Pour cela, j'ai un classe à rayon 660 avec une Anderson Smart Mix à 700. Voilà, on a toujours le petit Xerion machin. Et on va les nourrir et j'ai la pailleuse aussi là-bas. Je vais vous expliquer parce que je suis un peu à la bourre. Je vais vous expliquer pourquoi est-ce que c'est un peu fait à l'arrache. J'ai déposé la Josquin ici. Et on a aussi le taurion du coup qu'on va vous montrer. Comme ça, ça fera vraiment un petit tour de tous les véhicules qu'on a sur le jeu. Enfin, en termes de classe, hein, qu'on a pu trouver pour le moment. Hop, j'ai juste un tracteur que j'ai pas mis qui était en mode le classe Ares du coup. Que j'ai pas mis. Mais qui est sorti en mode. Mais j'ai décidé de pas le mettre parce que je sais pas pourquoi d'ailleurs. Mais voilà, j'étais pas trop pour. Donc aujourd'hui, hop, on va nourrir un petit peu nos vaches. Alors je sais pas si c'est le dernier épisode ou pas. Pourquoi? Je vais vous expliquer un petit peu ce délire. Le truc c'est que là on est même pas à 10 épisodes. Et le problème commence à faire que ben voilà, les marques ça commence à être un petit peu short. La marque, on commence à avoir fait le tour. Bon, j'avais pas dit que ça allait être une grosse série ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que ça commence à être un peu short dans le sens où on a fait presque tout. On est comment? On est à 34%. Et il faut autant de paille que de ensilage. Autant de foin que d'ensilage. Donc on va en remettre une. Et donc c'est vrai que. Ben voilà, c'est vrai que je me suis dit. Voilà, est-ce que. Qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'on continue Bon, tant pis, elles se sont cassées la gueule. Est-ce qu'on continue et on force un peu, même si, voilà, on a fait un peu le tour ou est-ce que... Enfin, voilà, je savais pas trop. Et étant donné que ça commence à être les fêtes, j'ai dit qu'en janvier, tout recommençait. Comme chaque année, on a à chaque fois des nouvelles séries qui arrivent en janvier. Lui, on va aller le foutre de l'autre côté. Comme en janvier, à chaque fois, on a des nouvelles séries. On a la série par exemple, la série Une saison à la ferme va reprendre, je sais pas trop, mais peut-être qu'on va le faire en mode multi cette fois-ci, avec un concept un peu différent, mais bon, Ma vie à la ferme pourrait reprendre en mode multijoueur, ça pourrait être sympa. Bon, ici c'est pour pailler, on fera ça après. Donc ça pourrait être cool, mais voilà, la série 100% classe, machin, ça va être arrêté parce qu'on a fait le tour. Hein, clairement, on va pas se mentir, on a fait le tour du bazar. On est en mode oui, bon, qu'est-ce qu'on fait? Enfin, moi je me dis que voilà, j'ai vraiment envie de reprendre des trucs en multijoueur. Donc, est-ce qu'on ferait pas une série multi et on abandonnerait une autre? Est-ce que, enfin voilà, c'est un peu compliqué tout ça au niveau du farming. Je sais pas pourquoi, je prends du plaisir à jouer. Hein, là, ça fait oh putain. Oh non. Cet homme est trop fort, mesdames et messieurs, cet homme est trop fort. Tu vas me dire que tu passes pas là, mec. Voilà, il me semble bien. Je suis vraiment le pire gars de la terre. Je suis vraiment le moins doué du monde. Hop, on va se foutre là. Et donc, c'est vrai que voilà, j'ai vraiment envie de reprendre les trucs en multijoueur. Le petit fils a dit qu'il était là, etc., etc. Donc, je pense qu'on va vraiment pouvoir se refaire des trucs sympas. Alors, ici, on est avec le Taurion 1914. Le nouveau Taurion, le plus gros, j'ai pris le plus gros, comme ça, voilà, on se fait plaisir. Hein. Et donc, c'est vrai que, voilà, c'est toutes des choses comme ça qui font, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que on continue? Normalement, il n'y a pas moyen de le... Ah, si. Attendez.
X. Voilà. Et donc c'est vrai que voilà, c'est toutes des choses qu'on fait. Enfin, moi je suis en train de réfléchir. Voilà, en plus j'ai envie de changer complètement mes modes parce que je suis toujours avec les mêmes et j'en télécharge plus forcément. Et donc je suis un peu en mode ouais, qu'est-ce que je fais? Est-ce que on continue comme ça? Est-ce que on change? Est-ce que voilà, c'est vrai que c'est un petit peu toutes des questions que j'ai envie de trouver les réponses parce que voilà, c'est pas que j'en ai pas marre. Je vais pas dire que j'en ai marre. C'est que je ne sais pas trop où on en est, enfin où j'en suis par rapport à mes modes, étant donné que moi, c'est vrai que c'est un peu compliqué à tourner le farming, enfin non, farming tourne bien, là je suis à 60 hein, images secondes, mais ce que je veux dire c'est que farming a du mal à tourner sur des grosses cartes avec beaucoup beaucoup de modes, étant donné que mais voilà, j'ai trop de modes et que c'est toujours les mêmes et il y a la moitié que j'utilise pas, machin. Donc j'ai vraiment envie de retélécharger, de resupprimer tous mes modes. Et de retélécharger les modes que j'utilise vraiment, on va dire, le plus souvent. Avec des trucs un peu plus spécifiques de temps en temps, pourquoi pas. Mais surtout, voir vraiment les modes que j'utilise le plus souvent pour pouvoir vraiment changer tout ça. Et pour montrer des nouvelles choses aussi, diversifier les trucs. Parce que c'est vrai que là, j'ai un peu arrêté de regarder les sites de mode et tout ça. Alors que il faudrait que je regarde, hein, je sais bien, mais. Voilà, c'est parce que je sais que j'ai beaucoup de mods et que c'est un peu relou. Donc on passe un petit peu. Hop. Ça va être plein le bazar. Voilà, nickel. Ah, le Thorian il est vraiment bien. Hein. Le gros Thorian il est vraiment cool. Donc si c'est du DLC Platinum, hein, toujours. Donc voilà, c'est peut-être le dernier épisode de cette série. Surtout que là, quand vous regardez l'épisode, on est le 7. On est le samedi 7. Il reste 3 semaines. Enfin bref. Pour vous dire, la semaine du 25, le samedi 28, il y aura peut-être une vidéo là-dessus. Samedi 14, samedi 21, le samedi 21, non. Donc, je vais essayer quand même de faire encore deux vidéos sur deux ou trois vidéos sur cette série. Donc, on va essayer d'en faire une au fumier, on va essayer d'en faire une au. En tout cas, une au fumier. Ça c'est déjà sûr et certain. Alors où est-ce que c'est que je dois le nourrir? C'est ici? Je suis pas sûr les gars. Ah si. Nice. Donc c'est vrai que c'est un petit peu. Voilà. Je vais essayer les gars, je garantis rien, hein, mais je vais essayer de continuer à faire encore deux ou trois vidéos sur cette série. Il y aura une au moins une au fumier, une au. Peut-être une au lisier et on verra après s'il y a autre chose. On verra un petit peu, étant donné qu'on fait que les vaches et que vraiment les trucs sur avec tous les matos classe c'est presque fini. Je me dis autant qu'on passe à autre chose, ou soit on fasse une autre marque ou autre chose. On est comment là niveau des vaches? On est très loin, très loin. Ok. Mais ça produit des trucs, on a déjà du lisier. C'est bien, c'est bien. On va refaire une deuxième ration, je pense. On va refaire une deuxième ration, hein. Ça a été plutôt vide, donc on va s'en refaire une deuxième. Hop. Comme ça, elles auront un peu plus à graille. Et alors, j'ai jamais compris si il fallait qu'il y ait tout qui soit mis, donc qu'il y ait au moins du foin, de l'herbe, des machins et tout. Ou alors si simplement avec... pas la moitié, mais avec ça. Ah ouais, mais merde. Bon, on va pailler d'abord alors. On va pailler d'abord vu que j'ai mis le. J'ai été mettre le Xerion là-bas. Pas le Xerion. Le scorpion ici. Ce n'est pas grave. Hop, alors oui, j'ai pressé vite fait avant. Et comme je dis, j'ai pris un peu. Enfin, j'ai pas pris le temps de les ramener et tout ça. Étant donné que je sais que je vais utiliser. Que je vais utiliser la paille juste dans cet épisode, je me suis dit. Voilà, c'est bon. Hein. Voilà, on passe à autre chose. On va faire autre chose. Là, je vais essayer de faire un truc propre. C'est comme sur ma partie perso à moi. J'ai fait une centaine de bottes. Non, allez. Ouais, quand même, presque, ouais. Et je vais pas du tout toutes les utiliser. Je vais même aucune les utiliser vu que je vais supprimer tous les modes. Et donc, tout sera perdu. Mais c'est pas grave, tu vois. C'est des trucs que tu te dis, wow, tant pis, hein. Les gars, on va s'en mettre une troisième, on va tester. On va voir ce que ça donne. Je me suis dit vraiment pour le bien de la vidéo, on va
faire en sorte que qu'on puisse nourrir nos vaches aujourd'hui, étant donné que la vidéo est demain et qu'il fallait que je tourne absolument aujourd'hui vu qu'on est vendredi parce que j'ai pas eu le temps de prendre de l'avance, etc. etc. Je me suis dit, allez, on y va, on teste et puis on voit ce que ça donne. Si ça va, ça va. Si ça va pas, bah tant pis. J'ai mis trop loin. Hop, on va la pousser un tout petit peu. Voilà, comme ça là t'es bien. Bon, normalement avec trois trucs, bon je sais pas, on va quand même laisser le Xerion là. Le scorpion, putain, pourquoi je dis toujours Xerion? On est avec le petit 460 ici, avec la petite paillusse Kune, que vous connaissez je suppose. Par contre faudrait que j'essaie de... Ah ça c'est dommage ça. Il me semblait qu'on pouvait... Non, je veux pas que tu le débranches. Alors, la paille. Là, on a la salle de traite. La paille, ça va être ici aussi, à mon avis. Ça va être au même endroit. On va y aller en marche arrière. Petite marche arrière des familles. Tac, tac, tac. Alors, on va essayer de pas se prendre le bazar. Ouais, nickel, c'est bien ici. Allez, X. Vas-y, paille. Ça va prendre un petit peu plus de temps. Est-ce que on voit que ça paille? Ouais, on voit que ça paille, donc ça c'est pas mal. Normalement, ça devrait le faire. Et puis, bah, je passerai le temps et le prochain épisode, on fera du lazy, du coup, du fumier, pardon. Et ça, ça fera l'affaire. Hein. Ça fera l'affaire. Ah ouais, on voit vraiment bien la paille qui va là où elles vont dormir, donc ça c'est bien fait. Alors cette map The Great Stump, on va sans doute la réutiliser pour la série multi du coup à partir de janvier. C'est presque sûr. C'est pas sûr encore à 100% mais presque. Étant donné que on a plus... Enfin, j'ai pas... Vaillé France... Agri France V3 n'est pas encore sorti. Ben je me dis... Franchement, qu'est-ce qu'on peut utiliser? Ah ben voilà, on est full. Donc ça c'est nickel, on va pouvoir ramener le scorpion. Je me dis, voilà, vu qu'on est... Vu que Agri France V3 n'est toujours pas sorti, que je sais pas trop comment on va faire pour les maps, pour les séries, je sais pas trop ce que je vais utiliser comme map, etc. Je sais pas encore exactement les séries qu'il va y avoir, mais je me fais ouais, allez, on va quand même on va essayer de faire un truc propre. Par contre, j'ai une idée de série multi que je pourrais faire, mais qu'il faut vraiment mettre en place correctement avec les amis. Il faut vraiment que j'en parle et qu'on fasse une réunion pour début janvier. Voilà, vraiment parler des séries qu'on va faire sur Farming et sur les autres jeux aussi. Et comme ça, on sait, on va se mettre des rendez-vous. On va se mettre, voilà, ce jour-là, il me faut quelqu'un. Ce jour-là, on fait une série multi, oui, non. Ce jour-là, multi, oui, non. Ce jour-là, machin. Et comme ça, on sait quand est-ce que les gens doivent être là. Quand est-ce qu'on tourne tel jeu ou tel jeu, etc., etc. Vraiment un truc... Plus structuré, parce que là c'est vrai que quand j'ai besoin de gars, je le sais le matin même et je fais, bon les gars, demain j'aimerais bien faire une vidéo multijoueur, est-ce que vous savez venir? Alors non, et donc c'est vrai que c'est un peu compliqué, donc on va essayer de mettre en place tout ça. Pour ceux qui sont encore là dans la vidéo, il y a un jeu concours pour gagner un truc, un DLC ETS2. Si vous avez le jeu ETS2 et que vous n'avez pas The Black Sea ou un autre DLC, hein, si vous n'avez pas ce genre de truc, un DLC ETS2, n'importe lequel, de préférence un DLC map, et ben il y a un jeu concours du coup qui se fait sur Discord pour le live 12h, donc le 5 janvier 2020. Live 12h, et donc ce live là, il y aura du coup la remise du prix de la plus belle photo ETS2 qui aura été dit sur Discord, ou alors ça se fera sur le tas sur le live. Étant donné que pour l'instant il y a encore zéro, enfin il n'y a pas de participants, moi c'est tant pis, comme je dis dans chaque vidéo, c'est tant pis, vous jouez pas, ça m'est égal. Mais voilà, c'est dommage, si vous jouez pas c'est un peu dommage quand même de... Enfin si vous n'avez pas de DLC, s'il y a un DLC qui vous manque ou quoi, et que vous l'avez pas, que vous aimeriez bien l'avoir, et que ben, voilà, vous savez que voilà, vous ne pouvez pas vous le procurer, nous on vous offre la possibilité de l'avoir si vous avez des belles photos ETS2.
Voilà, c'est une opportunité. Après, vous faites comme vous voulez. Comme on dit, la clé, je peux très bien la garder. Enfin, on peut très bien garder la clé et la donner à un gars de la team qui n'a pas le DLC, ou utiliser l'argent de la clé pour offrir, par exemple, le DLC Platinum à un gars de la team ou quoi de farming. C'est voilà, c'est vrai que c'est. Nous, on s'en fout. En soi, nous, c'est pour vous qu'on fait ça. C'est pour être proche de la communauté. C'est pour essayer de faire vivre un peu les trucs. Mais c'est vrai que après, si vous êtes pas là, bah, tant pis. Hein. Ok, là c'est plein. Franchement, le Torian il est génial. Hein. Le Torian, j'ai rien à redire. Il est vraiment trop bien. Par contre, faudra qu'on teste un truc parce qu'ils disent de mettre du foin. Mais je sais pas comment tu veux que je mette du foin. À moins que. Ouais, faudrait qu'on aille voir dans le pré. On va pouvoir encore les nourrir. Voilà, voilà, voilà. C'est pas souvent que je fais des animaux sur farming. Pour vous dire, les vaches. Je pense qu'il y a eu en live là sur la grosse map. Et puis il y a eu. Il y a un truc d'ailleurs, les lives ça va changer aussi. Hein. Les lives en janvier vont tout changer complètement, 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 complètement. On va plus faire des séries comme on fait actuellement. On va faire complètement un autre style, vous verrez, ça va vraiment être bien. Putain, mais ça consomme ces bêtes là. Ah ouais, je pourrais même encore presque en faire une. Ouais, faudrait quand même pas. Hop, on va faire R ici. Ça, on leur met encore un peu d'eau parce qu'elles ont bu, les petites, là. On est comment, là? Ils ont déjà fait du lisier? Ouais, elles ont déjà fait un peu de lisier et du fumier. 14 litres. On va pas se mentir, elles ont pas... Par contre, ce qui est bien, c'est ça, là. C'est la paille qui se met là-haut. Parce que, si vous voulez, une vache, ça se met là et puis ça dort là. Et je trouve que c'est bien fait, ça, sur la carte. C'est plutôt bien fait, ça. Donc, niveau flotte, on est bon. Niveau ration mélangée, on va dire qu'on est bon. Foin en silage. Foin en silage. Bon, productivité 100%, hein. Franchement, on est pas mal. Hein. On est pas mal. Foin en silage, herbe, je comprends pas. Y a pas de truc où je peux mettre des bananes, non? On va ouvrir ici. Ah, tu crois qu'elles peuvent venir ici si on ouvre là? Ah ouais. Peut-être qu'elles peuvent venir ici dans ce précis si on ouvre. Bah écoutez, les fifis, venez, hein, si vous pouvez, venez. On va essayer, les gars. On va essayer, on a un peu le temps. On va essayer de voir, on va prendre deux bottes de foin. Et on va voir un petit peu ce que ça nous dit. En plus, il commence à faire nuit. Bon, bah ça fera une vidéo semi-nuit, semi-journée. Hop. Je sais pas du tout si elles peuvent passer. Ce serait vraiment bien si elles peuvent passer. Dans un script que tu puisses pas. Tu puisses pas passer, machin. Tac. On va essayer de voir ce que ça dit. Est-ce que je peux mettre. Des choses ici par exemple. Non, ici ça n'a pas de sens. Me traverse pas, me traverse pas. Attends, parce que toi tu vas me traverser aussi, je te connais. Toi, je vais te reculer. Merde, ouais, te reculer correctement s'il te plaît. Ah oui, je suis un boulet, hein, mais bon, ça change pas de d'habitude, j'ai envie de vous dire. Je sais pourquoi je ne recule pas correctement. Hop, voilà. Ça touche, c'est pas grave. Tac, tac, tac. On va voir un petit peu. Est-ce que. Qu'est-ce que ça fait si je viens ici et que je mets ça là, comme ça par exemple? Ça ne fait rien du tout. Est-ce que ce serait dans la mélangeuse qu'il faudrait faire? Ah, peut-être, attendez les gars. J'ai peut-être une idée. Faut peut-être faire une mélangeuse que de foin. Parce que là, c'est de la ration totale, c'est pour. Hop. Peut-être, hein. Bon, on va allumer les phares. Ah, peut-être que c'est juste ça. Hein. Elles sont où les gars, les bottes? Ah,
Elles ont été mises là? Attendez, elles ont été mises là. Bouloulou. Bouloulou les gars. Il y a de la magie qui se fait là. Il y a eu de la magie là les amis, il y a eu de la magie. Magie, 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 magie. Ah, tu trop. Attendez, faut qu'on regarde là au foin, là où il y a 8000. Faut qu'on regarde ce que ça dit quand on s'approche de l'auge. Ça se vide ici? Et si on les laisse descendre? Ah ouais! Ok. Ok, d'accord, ok. On va encore mettre deux, je pense. Deux ou quatre. Attendez, on pourrait essayer de faire un truc de fou. Là. Attendez, on va essayer de faire un truc que je devrais pas essayer de faire, mais que je vais quand même essayer de faire. Voilà. Pourquoi j'ai mes phares qui sont toujours pas allumés, allez. Ah oui, parce que ça éclaire à crever, c'est vrai. Hein? Ça, c'est du chargement, les petits gars. Vous verrez pas ça autre part, les gars. Vous verrez pas ça autre part. On va quand même y aller doucement, parce que j'ai l'impression que la botte, là, elle se casse un peu la gueule. Elle a envie d'un peu se casser la gueule, je crois, j'ai l'impression. Mais on va rester calme. Ok, ça c'est bon. Voilà, c'est ça qu'on veut. Nickel, bon là on est à 31 000, c'est bon. Hein. T'as eu tout ce que tu méritais. Hein. C'est bon, hop. Bon bah écoutez les amis, on va se laisser là-dessus. Hein. On va juste aller refermer la grille de l'autre côté. Là. Parce que sinon ça va pas se passer comme il se faut. Ouais. Hop, moi je passerai le temps qu'il fasse un peu de fumier ici, parce que là il n'y a rien du tout. On a combien? Ouais, 43 litres, 1120, vous voyez. Donc on fera à mon avis du lisier aussi. Et puis on verra niveau du fumier s'ils font assez ou pas. On verra. Bref, écoutez, on va se laisser sur cette petite vue ici. Voilà, moi je vous dis aimez, commentez, partagez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. J'espère que cette vidéo sur farming vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. C'était Boroma, plus tout le monde. Plus, ciao, ciao.